Patrick Moriachu se présente, Daniel Schmitt, Nicole Blanville, Éric Garnier, Marie-Odile Pitre, Laurent Boudet, Annick Olivrin, Gilbert Bédard, Laurence Perrault, Michel Rabillon, absent excusé, Michel Chauffourier, Nicole Bénival, Daniel Gallet, Dominique Courcambec, Brigitte Rojanski, Françoise Christofoli, absente excusée, procuration à Monsieur Éric Garnier, Marie-Bonne Baudouin, Maria Sandra Casale, absente excusée, procuration à Monsieur Daniel Schmitt, Maxime Lagorce, Christiane Leroy, Elisabeth Ouzé, Frédéric Murat et Henri Fermin. Merci. Je vais demander à M. Dominique Courcambec s'il accepte d'être secrétaire de séance. Merci. Ceci étant fait, donc, alors, je vais procéder à l'ordre du jour suivant, qui était donc une délibération concernant le projet d'acte authentique avec le groupe EFAGE Immobilier Grand Ouest. Alors, nous sommes ici réunis afin de, à l'effet de délibérer sur ce projet d'acte authentique rédigé le 13 octobre 2015 par Maître Kozik, en vue de la cession par la ville de deux volumes à créer sur l'emprise des terrains du site de l'ancienne gare, dite Place Newquay. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a constaté que le compromis de vente du 6 septembre 2007, prorogé par avenant numéro 3, restait valide, entre les parties. Et à ce moment-là, donc le 24 février 2016, a condamné la ville de Dinard à régulariser le projet d'acte authentique du 13 octobre 2015 en l'étude de Maître Kozik dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement. Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné que le projet d'acte de Maître Kozik soit soumis à la délibération du conseil municipal avant sa signature, en mentionnant qu'un avis serait préalablement demandé à France Domaine, ce que nous faisons donc aujourd'hui même. Donc nous présentons cet avis de France Domaine. Suivant l'acte d'huissier en date du 27 octobre 2016, la société EFAGE Immobilier Grand Ouest a sommé la ville de Dinard de se faire représenter le 9 novembre dernier à 15h en étude de Maître Kozik en vue de la signature de l'acte de vote de vente selon le projet du 13 octobre 2015. Bien que l'avis de France Domaine ait été sollicité par nous-mêmes et par nos services le 28 septembre, à ce moment-là, 9 novembre, l'avis de France Domaine ne nous était pas parvenu en mairie en temps utile pour que le conseil municipal puisse être convoqué et consulté avant le 9 novembre 2016. Alors un ajournement de ce rendez-vous de signature a été demandé, puisqu'on n'avait pas l'avis, mais a été refusé par EFAGE Immobilier Grand Ouest. L'avis de France Domaine a été mis à la disposition du conseil municipal aujourd'hui même, vous l'avez depuis le 10 novembre, ainsi que le projet d'acte de Maître Kozik. Alors, de façon à mieux comprendre la notice explicative que vous avez pu, dont vous avez pu prendre connaissance, je vais vous donner la parole à Monsieur le conseiller municipal Frédéric Murat, qui a suivi ce dossier depuis longs mois avec nos avocats, avec nos services, afin que vous puissiez avoir tout complément d'information, tout éclaircissement. Frédéric Murat, c'est à vous. Merci, Madame la Maire. Je vais essayer, avec des termes extrêmement simples, de vous faire comprendre où on en est dans la procédure. Et ce qu'il en est exactement. Vous avez tous compris que le tribunal de grande instance de Saint-Valo ne nous a pas donné raison alors qu'on sollicitait la caducité du compromis au motif
que les conditions suspensives n'avaient pas été réalisées dans le délai imparti. Alors les conditions suspensives, qu'est-ce que c'est? Alors, on a tous été un jour ou l'autre confrontés à ça. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Vous êtes sur le point d'acheter votre maison, votre résidence principale. Vous signez un compromis parce que vous avez envie d'acheter, vous êtes d'accord sur le bien, vous êtes d'accord sur le prix. Mais vous n'êtes pas sûr d'avoir le prêt bancaire qui va avec. Ou alors, vous n'êtes pas sûr, alors que le vendeur vous a dit « mais vous inquiétez pas, vous pourrez construire un abri-jardin », vous n'êtes pas sûr d'avoir l'autorisation. Alors vous signez un compromis pour dire « j'achète ce bien à ce prix sous la condition suspensive de l'obtention de mon prêt ou sous la condition suspensive d'une autorisation qui permettrait de construire un abri-jardin ». C'est clair. C'est une sécurité quelque part, parce que si la condition suspensive, si l'événement ne se réalise pas dans un délai, eh bien vous êtes libéré, il n'y a plus de vente, le compromis est caduc. C'est-à-dire que le vendeur va vous dire, là, monsieur, vous êtes engagé à acheter, vous allez acheter, alors que vous n'avez pas les moyens, alors que ce n'est pas ce que vous souhaitiez acheter. C'est un peu la même chose avec le projet Eiffage. Il y avait un compromis très clair qui nous disait, voilà, à telle date, la vente devra être passée si les conditions suspensives suffisantes sont réalisées. Elles ne sont pas intervenues dans le délai. Donc, le compromis est caduc, c'est ce que considère la ville de Dinard. Et c'est pour ça qu'il y a eu une procédure devant le tribunal de grande instance. Alors là, je vous la fais simple, je ne vais pas rentrer dans toutes les détails techniques, parce que sinon, ce serait fatigant. On n'a pas obtenu gain de cause. Je l'ai déjà dit une première fois, les décisions ne sont pas toujours celles qu'on aimerait obtenir, elles ne sont pas toujours conformes à l'analyse juridique qu'on peut faire d'une situation. Il y a des cas où on considère que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, on s'en tient là, et il y en a d'autres où au contraire on pense que juridiquement on a intérêt à poursuivre et à remettre en cause la première décision. La ville a fait ce choix. La ville a décidé d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance. Alors, ça aussi, vous le savez peut-être, vous savez que l'appel en principe a un effet suspensif. Qu'est-ce que ça veut dire un effet suspensif? C'est-à-dire que quand il y a une décision de première instance qui, par exemple, condamne quelqu'un à faire quelque chose, à verser de l'argent ou à signer un acte, quand on fait appel, ça suspend cette décision. C'est-à-dire qu'on n'exécute pas. On attend que la cour d'appel se prononce pour savoir si on doit l'exécuter ou pas. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que, on peut demander à la juridiction, la première, d'ordonner ce qu'on appelle une exécution provisoire. Une exécution provisoire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on a une décision qui n'est pas définitive, puisqu'on fait appel, mais le juge vous dit, bah, même si elle n'est pas définitive, vous allez exécuter tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes condamné à verser une somme d'argent, vous payez la somme d'argent, vous faites appel, peut-être que le juge d'appel va dire, bah, non, le premier jugement n'est pas bon, donc l'autre devra vous la rendre, mais c'est comme ça. Et le jugement du tribunal de grande instance dont on a fait appel, a assorti sa décision d'une exécution provisoire. C'est-à-dire qu'il a dit à la ville, ben voilà, vous êtes condamné à signer un acte et faire tout un tas de choses, même si sa décision n'est pas bonne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, même si on fait appel, on doit l'exécuter tout de suite. Alors vous allez me dire, mais on peut faire des choses quand même. Parce que c'est pas rien de signer un acte sur un terrain, avec un projet aussi important, c'est pas rien du tout, ça a des frais, ça engendre des dépenses. Et le droit français donne la possibilité, dans ce cas-là, de saisir une autre juridiction, c'est le premier président de la Cour d'appel, et lui demander à ce premier président de suspendre l'exécution provisoire. Sauf que, si cette possibilité est ouverte, malheureusement, les cas qui nous permettent d'obtenir ne sont pas toujours très, très clairs et évidents.
Et le premier président n'a pas décidé de suspendre l'exécution provisoire. Et il nous a dit de toute façon, bon, vous avez signé cet acte, mais il a tiré quand même l'attention des partis sur le fait que si Farge vous forçait à l'exécuter, il y avait des frais qui étaient liés à ça, et que si la Cour revient en arrière, eh bien, il n'y en a rien qui supporterait ces frais-là. Imaginons que la Cour nous donne raison, bien, il est probable que les frais qui sont liés à la signature de l'acte qui a été préparé par le notaire, maître Kosick, eh bien, il faudra que soit remboursé, que celui qui l'a gagné n'aurait pas eu à dépenser tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande d'examiner, c'est la résolution, c'est est-ce qu'il faut ou pas signer l'acte authentique qui a été préparé par maître Kosick, qui est celui-là même que le tribunal de grande instance nous a condamné à régulariser. Alors, aussi étrange que ça puisse sembler, cet acte authentique, il n'est pas conforme au compromis. Vous avez compris que le compromis, c'est l'espèce d'avant-contrat où on dit voilà toutes les conditions, et puis normalement, quand les conditions suspensives sont réalisées, l'acte authentique, il est en tout point conforme au compromis. Bien, l'acte authentique qui a été préparé, il n'est pas en tout point conforme au compromis. Il y a des choses qui figurent dans cet acte qui ne figuraient pas dans le compromis. Par exemple, la réhabilitation environnementale, la dépollution, ce n'était pas prévu dans le compromis, ça. Ce n'était pas prévu. Quand la ville de Dinard a signé le compromis, ce n'était pas engagé à dépolluer le terrain. Et là, pouf, c'est apparu dans l'acte authentique. Ces choses. Après, normalement, il y a un état descriptif de division volume, c'est un peu la limite de ce qui peut être construit. On est censé nous remettre le jour où on signe pour savoir quelles sont les limites de ce qu'ils peuvent faire. Et puis ce document, il est vérifié, c'est quand même lourd de conséquences, c'est important. Bien, ce document-là, on n'a pas pu le vérifier. Voilà encore une chose qui nous a posé un problème. Pareil, on prévoit, parce que dans ce projet, la ville doit construire un parking. Il y a ses frais, hein, faut le savoir, un parking de 460 places. Bien, il n'était pas prévu qu'on doit fournir une garantie financière d'achèvement, et là, pouf, ça apparaît. Donc il n'est pas conforme. Et pourquoi on a fait appel? C'est parce que, un, il y a deux choses. On considère que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans le délai, donc le compromis est caduc. Et deux, que le projet de Kosick, il n'est pas conforme au compromis. Il y a deux aspects. Il avait été conforme au compromis. Bon. Mais il n'est pas conforme au compromis. Et le juge nous dit, vous avez signé quand même. On l'a fait appel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez besoin de savoir. Aujourd'hui, on ne renonce pas. On poursuit la procédure. Nous sommes devant la cour d'appel pour obtenir de la cour qu'elle infirme, qu'elle, quelque part, elle revienne sur la décision du tribunal, qu'elle en rende une nouvelle. Et on espère qu'on va obtenir gain de cause. Sauf que là, on va être obligé de refaire un peu de droit. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, hein. Vous avez compris qu'il y a des exécutions provisoires. Normalement, on doit une décision qui nous dit vous devez exécuter, même si c'est farfelu, je ne dis pas que la décision l'est, mais même si c'est très surprenant, bah, quand un juge vous dit vous devez faire ça, vous devez faire. Alors, on peut aussi résister. On peut ne pas signer. Dans ce cas-là, notre adversaire, il a un panel de solutions. Le premier, qui est assez simple, il peut dire au juge devant la cour d'appel, écoutez, puisqu'ils n'ont pas exécuté la décision qui est pourtant assortie de l'exécution provisoire, mais monsieur le président, en cours, je vous demande de ne pas statuer tant qu'ils n'auront pas exécuté. Ils ne l'ont pas fait pour le moment. Mais s'ils le font, on n'aura pas le choix. Parce qu'on veut aller jusqu'au bout. On veut obtenir de la cour d'appel qu'elle nous donne raison. Puis il y a d'autres solutions qui
consiste, vous en avez entendu parler, hein, je crois que c'est un terme qui circule, qui consiste à saisir le juge de l'exécution. Tiens, on a un autre. On a vu le premier président, le tribunal, la cour d'appel. Maintenant, il y a le juge de l'exécution. Qu'est-ce qu'il fait, le juge de l'exécution? Ben, lui, son rôle, c'est de veiller à l'exécution des décisions. Il ne va pas revenir sur le corps de la décision. Il ne va pas dire oui, ils se sont trompés, ils avaient tort, ils avaient raison, ce n'est pas son problème. Et le juge de l'exécution, si une partie devait être saisie, eh bien on va lui dire écoutez, nous on a une décision, ils doivent signer, ils ne veulent pas. Je vous demande, monsieur le juge de l'exécution, de fixer une astreinte. Ça, c'est pas drôle. L'astreinte, ça veut dire que vous allez signer cet acte à compter de la décision du juge d'exécution, et puis ça sera temps à payer par jour de retard. Alors qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Je ne lis pas dans les livres de l'histoire. Je vous donne l'éventail de ce qui peut se passer maintenant. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'astreinte. Le premier juge nous a condamné à signer un acte qui n'est pas conforme, je le redis, qui ne nous satisfait pas, je le redis, mais il n'a pas assorti le non-respect de sa décision par une sanction pécuniaire. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pour clarifier un peu le débat de la façon la plus neutre possible, pour que vous compreniez bien et que vous ayez bien conscience de là où on en est. C'est-à-dire que quelle que soit la décision qui va être prise, que on décide de signer cet acte ou qu'au contraire, de par le vote, il soit décidé de ne pas le signer. Dans les deux cas, cela ne signifie en aucun cas qu'on renonce. On ne renonce pas à faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas tel qu'il a été négocié, tel qu'il a été décidé. Tous les goûts sont dans la nature. Certains vont penser que c'est formidable d'avoir un grand projet avec un nouveau fil. D'autres, au contraire, vont penser que c'était une erreur. Tout le monde peut se tromper. Ce n'est pas un règlement de compte. Moi, je ne suis pas là pour régler mes comptes avec Pierre Poujac. Ça m'est égal. On est là pour la ville. Et les raisons pour lesquelles on conteste ce projet, c'est qu'on pense qu'il n'est pas bon pour la ville. Il n'est pas bon financièrement et puis sur le plan environnemental. Et ça, c'est notre point de vue. Vous avez le vôtre et vous êtes libre d'avoir le point de vue qui est le vôtre. Donc aujourd'hui, voilà. La décision, c'est est-ce que il faut signer cet acte qui n'est pas conforme et qui ne nous convient pas, et se soumettre à la décision des premiers juges, et éviter ainsi une procédure devant le juge d'exécution, puisque monsieur nous dit ça va venir. Voilà, c'est peut-être un choix, ce choix qui est de dire, ben voilà, on le signe, on l'accepte, tout en rappelant qu'on n'est pas d'accord, tout en rappelant qu'il ne nous convient pas. Et si la Cour venait à modifier la décision, ben il faudrait modifier cet acte. Il faudrait changer. Parce qu'il y a deux points en discussion. Il y a la validité du compromis et puis il y a l'acte en lui-même. La Cour va statuer sur les deux. Donc voilà. Voilà la décision que vous avez à prendre aujourd'hui. Quelle qu'elle soit, la procédure devant la Cour d'appel continue. Quelle que soit la décision prise, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, effectivement, c'est que dans un cas, on poursuit notre position qui est de dire on ne peut pas signer quelque chose qui n'est pas signable, parce que pas conforme, parce que compromis est plus valable. Et l'autre qui consiste à dire, bah, ça ne nous plaît pas, mais on va le signer pour éviter peut-être d'avoir une procédure de plus. C'est ça le choix, au final. Mais la procédure en appel, elle est toujours en cours.
ça avance. L'objectif de la ville, c'est d'obtenir le plus rapidement possible. Décision de la Cour d'appel, on espère qu'elle nous sera favorable. Et puis, si elle n'était pas, ce sujet serait, je dirais quelque part, on verra quelle décision on prend, parce qu'il y a toujours la possibilité de saisir la Cour de cassation. On n'est pas là non plus pour faire la procédure à tout prix, ce n'est pas le but du jeu. Alors c'est vrai que la procédure c'est long, c'est compliqué, on ne comprend pas toujours ce qu'il en est, vous avez vu, il y a plein de juges différents, avec des noms différents, avec des pouvoirs différents. Et on ne veut pas emmener les Dinardais dans une aventure floue. Donc on veut que vous compreniez bien où on en est, ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit voter sur le fait de savoir si on doit signer cet acte, se mettre en conformité avec les premiers juges en contestant le bien fondé de leur jugement, ce qu'on fait toujours, ou si au contraire, on poursuit en se disant « mais on n'a pas d'astreinte pour le moment ». Notre procédure poursuit et on signera pas. Alors, si c'est le choix qui est fait de ne pas signer l'acte, ben je vais quand même vous dire ce qui peut se passer derrière, tous. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Vous l'avez compris, vous l'avez deviné, rien. Ça peut arriver aussi, et enfin je dis, bon ben voilà, on va purger le problème, poursuivons la procédure devant la Cour. Et voyons ce que va nous dire la Cour. Est-ce qu'elle va confirmer le premier jugement ou est-ce qu'au contraire elle va dire que non? Elle va rendre une décision différente. Et là, je peux demander à la Cour la pression de dire bah, écoutez, vous staturez le jour où ils auront signé. Ben là, on n'aura pas le choix, on signera. On vous le dit tout de suite, on ne va pas s'amuser à faire des copains. Et puis, là, je peux demander au juge d'exécution de prononcer une astreinte. C'est un procès, hein, donc là, c'est encore aller changer les écritures, aller plaider. Et puis c'est évident que si le juge de l'exécution devait nous dire « Écoutez, maintenant vous le signez, sinon vous allez être condamné à une astreinte », ben, évidemment qu'on va le signer. On ne va pas laisser la ville payer. Et on irait au bout de la procédure d'appel, mais on ne va pas engager des dépenses qui n'auraient pas lieu d'être. J'espère que ces explications ont été claires pour vous. J'espère que ce petit rappel, c'est pas toujours facile hein, de parler en des termes simples de concepts juridiques, de procédures. Mais en tout cas, j'espère qu'elles vous auront permis de bien comprendre ce que nous faisons, où nous en sommes, et quel est l'enjeu de la décision qui va être mise au vote. Merci, madame. Merci, monsieur le conseiller. Effectivement, toutes ces mises au point que nous avons depuis des semaines et des mois entre nous, dans des commissions, dans des réunions aussi bien avec les avocats que les notaires ou donc des conseillers municipaux compétents nous permettent aujourd'hui de mieux analyser les tenants et les aboutissants. C'était une mise au point pertinente, hein, merci beaucoup. Merci de ces commentaires qui sont à la fois fructueux et qui donnent des éclaircissements sur les sujets d'importance. Nous sommes, je rappelle que nous sommes de bonne foi et que donc cet acte, si toutefois cet acte était en tout point conforme au compromis de 2007, on n'aurait pas eu ces échanges et ces mises au point. Alors compte tenu de tout ce qui a précédé, puisque vous avez eu les notices explicatives, je propose maintenant au conseil municipal donc de prendre la décision suivante, s'il vous plaît, qui est donc d'approuver le projet d'acte de vente de Maître Kosik du 13 octobre 2015 qui a été présenté et de m'autoriser à le signer au nom et pour le compte de la ville de Dinard. Et nous allons procéder comme il se doit aux questions classiques. Donc, qui s'abstient, suite au commentaire qu'il y a eu là, qui s'abstient, qui vote contre? Attention, quand vous avez des procurations, vous avez deux votes. Donc, il s'agit d'Éric Garnier et de David Schmitt. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée.
le maire, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame le maire. Vous ne nous avez pas donné l'estimation de France Domaine. Exact. On a... Alors, on peut peut-être le donner papier. On n'a pas imprimé, on n'a pas mis sur l'écran. Bon, enfin, l'évaluation, moi, je vais vous la donner, puisqu'en fait, la valeur vénale du bien est estimée à 10 millions d'euros hors taxes. Elle tient compte du règlement d'urbanisme en vigueur à la date de l'évaluation, et notamment la suppression du plan de la taxe PLD, vous savez, la taxe de dépassement du plafond légal de densité, et de l'existence d'un COS, d'un coefficient d'occupation des sols, puisque la fiscalité a changé. Le vote par le conseil municipal d'un PLU modifiant les conditions d'urbanisme est susceptible de nécessiter une nouvelle estimation domaniale. Donc il y a toujours une marge d'appréciation de 15%. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous. Merci. Mais la garantie financière pour l'achèvement du parking. Excusez-moi, bonjour maître. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en logique derrière je dirais le résumé, hein, si on peut dire, de maître Murat. Donc le vôtre, la mairie est contre, donc elle poursuit, elle ne signe pas. Est-ce que ça va vraiment être dangereux maintenant pour Dinard? Je pense que si j'étais pour la société Eiffage, je saisirais le juge de l'exécution sans aucun délai et je demanderais une astreinte qui ne sera certainement pas de 500 000 ou 10 000 euros par jour. Je demanderais au juge de l'exécution une astreinte, et ils disent qu'ils ne veulent pas faire de la procédure, mais ils seront obligés de la faire et ils seront obligés d'aller défendre le fait qu'il n'y ait pas d'astreinte, mais il y aura une astreinte. Ces sommes, elles peuvent être faramineuses, elles peuvent être donc être... anticipé, c'est-à-dire qu'elle peut être a posteriori, donc on peut payer déjà depuis plusieurs jours. Une autre information qu'on vient d'apprendre, 10 millions d'euros hors taxes, c'est-à-dire qu'on est même en dessous de la première évaluation. Alors pour le prix, ça je peux rien vous dire, hein. Mais pour l'astreinte, en principe, elle ne peut être fixée qu'à partir du jour où elle est ordonnée. Et donc, en fait, c'est une façon de se cacher derrière son petit doigt et de croire que l'astreinte ne sera pas demandée. La procédure, maître, elle risque encore d'être forcément très longue. Hein. La procédure devant la cour d'appel risque d'être longue, oui, certainement. On a des délais qui sont courts au départ, mais après qui ne sont plus maîtrisés. L'appelant doit conclure dans les 3 mois de son appel. Donc ce serait intéressant d'ailleurs que Madame le maire nous dise qu'est-ce que la commune a conclu pour l'instant. On serait curieux de le savoir. Et ensuite, la partie adverse, elle a 2 mois pour répondre. Donc on doit penser déjà qu'à ce stade, la procédure, elle est figée. Bon, et enfin figée, elle a atteint un stade de consolidation, on peut dire. Et ensuite, il n'y a plus de délai. Et les délais sont ouverts sans qu'il y ait de restrictions. Donc on peut conclure 10 fois si on veut, à 6 mois d'intervalle si on veut, il n'y a plus aucun délai.
tout cas, merci Maître pour ces explications suite à ce conseil extraordinaire et effectivement qui appelle encore beaucoup d'interrogations. Merci beaucoup à vous.